Tafsir Sourate Al-Adiyat, exégèse de la sourate Les Coursiers, qui est mécoise. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Wal-Adiyat Dabha. Par les coursiers haletants. Fal-Muriyat Qadaha. Qui font jaillir des étincelles. Fal-Mughirat Subha. Qui montent à l'assaut de bon matin. Fa'atharna bihi naqa'a. En soulevant des nuages de poussière. Fa'wasatna bihi jam'a. Et faisant irruption dans les rangs des ennemis. Innal insana li rabbihi lakanud. En vérité, l'homme est bien ingrat envers son Seigneur. Et pourtant, il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Allah le Très-Haut jure par les chevaux coursiers et ce qu'ils contiennent comme signe évident de sa part et comme bienfait pour les hommes. Il a juré par ce qui particularise ces animaux en dehors des autres espèces, en disant وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا. Par les coursiers haletants. Il s'agit du souffle qui émane d'eux en haletant lors des grandes courses et chevauchées. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. Qui font jaillir des étincelles avec leurs sabots, foulant des pierres et des cailloux à force de courir et de galoper. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا. Qui montent à l'assaut de bon matin, en soulevant des nuages de poussière et en faisant irruption dans les rangs des ennemis. فَوَسَطَنَا بِهِ جَمْعَا. Et en faisant irruption dans les rangs des ennemis. C'est-à-dire les chevaux qui servent dans les batailles et qui tiennent lieu de cavalerie pour se ruer sur l'ennemi. L'objet du serment est sa parole. Innal insana li rabbihi lakanud. Certes, en vérité, l'homme est bien ingrat envers son Seigneur. C'est-à-dire qu'il refuse de rendre grâce à son Seigneur pour tous les bienfaits qu'il lui octroie, en s'acquittant de ce dont il lui est redevable. En effet, la nature de l'homme l'amène à ne pas s'acquitter de ce qu'il a comme devoir vis-à-vis de son Seigneur. Bien au contraire, il a toujours une propension à pencher vers la paresse et la négligence de ses devoirs financiers et corporels. Exception faite de ceux qu'Allah a guidés vers la voie du bien et qui se distinguent par une forte propension à s'acquitter de leurs devoirs. Et pourtant, il est certes témoin de cela. C'est-à-dire que son amour pour les biens de ce bas monde dépasse toutes les limites. C'est justement cet amour excessif pour les biens qui l'a amené à se détourner de ses devoirs vis-à-vis de son Seigneur. Il a ordonné la préférence à la satisfaction de ses passions sur le droit de son Seigneur. Tout cela parce que son aspiration s'est limitée à ce bas monde en négligeant la vie future. C'est pour cela qu'il lui a dit en l'incitant à craindre le jour de la rétribution. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Ne sait-il donc pas, c'est égaré, que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, c'est-à-dire où les morts sortiront de leurs tombeaux
pour être rassemblés et jugés. Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, c'est-à-dire que ce jour-là apparaîtra au grand jour tout ce qui est caché au plus profond des cœurs comme source de bien et de mal. Le secret deviendra public et le caché deviendra apparent, et sur les visages des créatures apparaîtront les effets de leurs œuvres. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. C'est-à-dire qu'il est informé de tout ce qu'ils font comme œuvre apparente ou cachée, et qu'il les jugera en conséquence. S'il a parlé en particulier de ce jour-là, bien qu'ils soient informés de leurs actes à tout moment, c'est parce que cela concerne la rétribution des œuvres découlant de la science d'Allah et de sa connaissance de toutes choses.